Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour les messages de la voix des âmes, de tes guides, de l'entité, de ton âme, pas de tes âmes, de ton âme, de ce mardi 16 mai 2023. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin. Et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Et aujourd'hui, j'ai pigé la carte de la communication. Et ton âme vient te dire, parle-moi. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais. Je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Et c'est pour ça que je t'invite à écrire. Ou si tu te sens plus à l'aise, tu peux aussi dessiner, si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture ou de dessin, vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi, des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin de te laisser venir, de laisser venir à ta conscience. Des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Est-ce que tu es en train d'occulter? Pourquoi? As-tu peur de la douleur? As-tu peur de la souffrance ou de la déception? Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être. Tout est là pour ton bonheur et ta sérénité et n'en doute jamais. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler. Tu as besoin d'être en contact avec ses mots et ses pensées. Tes guides te disent, il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à ta communication intérieure et spirituelle. Et cela est le... Il s'agit du chiffre 11. Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge, parce que le chakra de la gorge, c'est la communication, n'est-ce pas? C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Alors, parle avec douceur, s'il te plaît, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance, pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux les jours qui suivent. Tu vas avoir besoin, de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Mais pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, ouvert,
Nous pourrons alors communiquer d'une façon, eh bien, plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. Ne le doute pas. Ton entité vient te dire, la communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou même dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Et pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours, toujours le même mot. C'est moi. N'en doute pas, c'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Tu sais, aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions. Je voudrais que tu saches que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, présentement, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments, eh bien, ta colère que j'accepte. Et je t'invite vraiment à t'en libérer. Très beau message, comme quoi la communication est très importante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, eh bien, dans la guérison des 5 blessures, j'ai pigé humiliation. Aujourd'hui, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider. Sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïsme ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi tout en sachant que cette croyance est alimentée, n'est-ce pas, par l'ego. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, prenez soin de vous en douceur, vraiment dans la douceur. Et moi, je vous embrasse tout fort. À demain.